Bonjour à tous, des paires à pas louper, de l'originalité et des modèles tout en couleurs, c'est tout de suite dans le zapping de la basket. On commence tout de suite avec les 30 ans de la Reebok classique Laser. C'est au tour de la boutique Bodega de collaborer sur ce modèle. Une fois encore, l'originalité est au rendez-vous. Nous avons le droit à un assortiment de matériaux et de couleurs. Une paire tout simplement magnifique. On continue avec la Sebago Campside. Elle n'est pas encore une sneaker, mais avec sa tige haute et des coutures et des finitions très soignées, pour une chaussure solide et confortable, elle en a l'esprit. Alors si vous aimez la nature et le confort, n'hésitez pas, elle est faite pour vous. On poursuit avec la marque Ewing Athletics qui ressort le modèle Ewing World apparu en 1991 que portait le joueur NBA Patrick Ewing. La paire est composée de cuir et de daim avec des touches de violet, turquoise et jaune. Un coloris original jamais vu auparavant. Alors si vous êtes en quête de swag ultime, la Ewing World Sparkling Grape est la paire du moment. Si vous avez rêvé de changer la couleur de vos baskets, c'est possible aujourd'hui avec French Lab. La marque urban chic, pleine de créativité et remplie de promesses, pour cette collection automne-hiver, elle vous propose le Switch and Go, un concept novateur qui vous donne pour la première fois la possibilité de réharmoniser la couleur de vos chaussures selon votre garde-robe ou votre humeur. La Marconi, en association avec Smiley, a imaginé deux paires de baskets M1000 qui reprennent sur chacune de leurs languettes le Smiley, l'icône jaune largement utilisée pour exprimer nos émotions. Un co-branding qui ne laissera personne indifférent. Puma a décidé de s'inspirer du saphir pour le modèle qui commémore les 45 ans de la Puma suédée. Son cuir bleu rappelle la couleur de la pierre précieuse. Produite au Japon, le modèle est d'une qualité irréprochable. La Puma suédée saphir est limitée à 450 exemplaires à couper de toute urgence. Toujours chez Puma, ce sont les différentes déclinaisons de la Puma Disc qui sont d'actualité. La Disc Blaze reste un modèle running et nous revient dans une version actualisée en textile avec une empeigne aux touches d'orange. C'est notre coup de cœur de la semaine. Séparée d'une semelle en gomme et de lacets blancs et d'une toile monochrome, que la Vans Authentique revient pour cet automne. Le rendu est sobre et réussi. Converse rééditera à la mi-novembre le modèle iconique porté par le joueur NBA Larry Johnson, la Converse Aero Jane. La paire est attendue et semble proche du modèle original avec le React Juice visible sur le talon et le cache-lacet. C'est bien entendu le colorway original Black Peacock qui sera le plus prisé. On termine avec Fila qui nous dévoile sa collaboration avec Concept sur la Fila Original Tennis. Déclinées en deux coloris, les paires sont composées d'une base d'un avec des touches rouges et vertes pour l'une et des accents rouges et bleus pour l'autre. Une semelle gomme et une midsole blanche apportent la touche classique aux deux modèles. Des modèles comme ça, on en redemande. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau zapping de la basket. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Parlez-vous Sneakers, Dailymotion, Twitter et Facebook. Portez-vous bien et rockez vos kicks.